Les gens qui sont aujourd'hui dans la rue sont des gens extrêmement violents, qui sont effrayants, qui font très peur et qui broient en fait tous ceux qui ne seraient pas d'accord avec eux. Et ces gens-là voudraient qu'on crée une société à leur image, c'est-à-dire une société autoritaire, une société qui fait peur, la société de l'enfermement, la société sans les discussions et une société qui n'est pas démocratique. À partir du moment où on n'est pas d'accord avec eux, ils descendent dans la rue et ils cassent tout. Les manifestations qui se déroulent aujourd'hui dans toutes les villes de France sont des manifestations qui sont tenues par des gens qui font peur aux autres. Des gens qui font que les commerçants sont obligés de fermer leurs magasins. C'est-à-dire qu'ils n'acceptent pas qu'on ne soit pas d'accord avec eux. On a demandé d'ailleurs à ceux qui ne sont pas d'accord avec eux de se taire. On ne les entend nulle part. On a l'impression que 99% de la France est dans la rue, ce qui est un mensonge. La France est un pays de 68 millions et de 28 millions de travailleurs. Il y avait 1 million sur toute la France dans la rue. On n'a pas entendu une seule fois la voix de ceux qui ne sont pas d'accord avec eux. Ces gens-là, on ne les entend nulle part. Ceux qui ne sont pas d'accord avec ces gens-là ferment leur gueule. Ils n'existent pas dans le pays. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur, et je les comprends. Parce que cette façon de voir la vie qui consiste à insulter l'autre, à aller se bagarrer, à se battre, cette façon-là, c'est pas la démocratie, ce n'est pas la France. C'est le regard d'une partie de gens qui, j'espère, n'auront jamais le pouvoir dans le pays, parce que c'est le régime totalitaire. C'est ça qu'ils proposent. Ah, tu n'es pas d'accord? Viens vite. Alors tu vas là, je te paye. Ajoute maurice.usa sur Skype.